Dans ma guérie, on va arrêter là, on va s'installer là pour donc suivre la formation en méditation avec Goenkaji. Là aussi, donc, c'est une discipline très stricte. Il ne faisait aucune concession pour les Occidentaux. Donc, la formation, c'est 10 jours, 10 jours de silence, 10 jours de méditation. Tu n'as pas le droit de parler. Les hommes et les femmes sont séparés, donc à la fois dans des dortoirs séparés, puis dans le hall de méditation, tu as le côté des hommes, le côté des femmes. Ces affaires de ce silence, ça m'a beaucoup plu, ce 10 jours de silence. Les enseignements donc étaient dispensés par Goenkaji, qui parlait anglais, et son épouse, qui parlait pas anglais, mais il y avait quand même beaucoup d'Indiens avec nous. Donc, ils étaient toujours là, les deux ensemble. Je vais venir là, expliquer un peu la méditation, mais sinon, pour le régime de vie, donc c'est vraiment le silence 24 heures par jour. La seule personne à qui tu peux parler, c'est à Goenkaji ou à donc un assistant quand tu veux demander là, des conseils pour la méditation. Sinon, donc, la règle pour la nourriture, c'est la même que dans tous les monastères bouddhistes. Tu ne peux pas manger après midi, après l'heure du midi. Donc, on avait un petit lot aussi, c'est végétarien. On a un petit déjeuner. Il y avait les cuisines sont sur place. On a un petit, tout petit déjeuner le matin. Et un repas avant-midi, hein, donc en fin d'avant-midi. Et le reste de la journée, donc, tu ne manges pas jusqu'au lever du soleil. Et tu commences, là aussi, vers 4 heures le matin, tu te lèves pour aller dans le hall de méditation et passer plusieurs heures par jour dans le hall. On est dans des endroits quand même très, très, très agréables là, pour pouvoir... Là, l'enceinte du monastère lui-même est quand même... Donc, quand tu marches à l'extérieur du hall, tranquillement, toujours en gardant le silence, c'est des endroits qui sont quand même très, très beaux. On n'est pas dans la forêt, là. J'ai peu de souvenirs du lieu, là, en tant que tel, là, mais je sais que c'était très agréable, là, de marcher dans l'enceinte du monastère, à l'extérieur des bâtiments. Et donc, la méditation elle-même, c'est vraiment... Donc, c'est aussi, là, Vipassana, puis les centres avec Goenkaji. Il n'y a rien, là, c'est pas... Il n'y a aucun élément religieux. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rituel. C'est vraiment juste la technique de méditation. Et la technique elle-même, c'est la concentration sur le souffle pour aiguiser l'esprit. Donc, sur une période de 10 jours, les 3 premiers jours, tu te concentres uniquement sur le souffle qui rentre par les narines, hein, qui rentre et qui sort. Et tu dois concentrer ton esprit, OK, l'idée, et comme ils disent tout le temps, l'idée que l'esprit arrête de vagabonder et que tu viennes te concentrer sur, finalement, les poils à la base du nez, quand l'air rentre, il est plus froid, puis quand il sort, il est plus chaud. Donc, 3 jours à faire que ça, là. C'est 10 à 15 heures par jour. Okay. Et là, moi, aujourd'hui, donc, c'est ça. C'est vraiment l'art de l'attention et l'art de la présence. Ce que je vais découvrir aussi avec les aborigènes australiens. Et donc, les 3 premiers jours, c'est le souffle. Et après, tu rentres, donc, c'est là, tu y vas, tu fais la même technique, hein, de concentration sur les sensations du corps. En fait, c'est ça. Là, au début, je disais le souffle, mais c'est aussi les sensations, ce que tu ressens quand le souffle rentre et quand il sort. Et là, tu sur le haut de la tête, et là, tu scannes tout ton corps, c'est-à-dire que ton esprit, tranquillement, voyage dans tout ton corps pour tout simplement chaque partie du corps pour prendre connaissance, prendre conscience
des sensations du corps. Donc, tu sais, au début, c'est des sensations, tu sais, tu sens le linge sur ta peau, mais après, ça va dans des sensations de plus en plus subtiles, et tu fais ça de haut en bas, de bas en haut, pendant plusieurs heures par jour, pour aiguiser ton esprit, développer cet art de l'attention, de la présence. Et en même temps, je me rappelle, à l'époque, moi, la réflexion que je m'étais faite est une réflexion que je continue à me faire aujourd'hui et que je vais développer plus tard quand je vais travailler avec les aborigènes australiens. C'est cette idée que le souffle, l'esprit qui m'anime, n'est pas un moi. Quelque chose du genre. Parce qu'ils mettent tellement dans le discours, ils ne mettent pas du tout l'accent. J'ai bien vu, là, je suis des cours de yoga aujourd'hui ici. Et l'accent est toujours mis sur le moi intérieur, le moi profond. Là-bas, tu n'es pas dans cette logique-là du tout. Okay? Tu es dans une logique que tu dois, quelque part, il y a cette dissolution du moi. Je suis assise, là, après 3 heures d'être assise en Indien, tes genoux, tu n'en peux plus, tu as des douleurs aux genoux. Mais c'est justement là l'idée, c'est que la méditation, c'est que tu... La douleur est là, mais ce n'est pas ta douleur. Et tranquillement, effectivement, quand tu prends une distance, tu arrives à un autre niveau de sensation, beaucoup plus subtil. La douleur, tu ne sais plus où elle est rendue, tu t'en fous. t'es ailleurs. Et donc, il y a en même temps cette dissolution du moi, cette distance face à... Mais l'idée aussi d'une dissolution des frontières corporelles aussi. Parce qu'à un moment donné, écoute, c'était ma lecture à moi, comment d'autres la font, peu importe. Je veux dire, c'était ma lecture à moi à ce moment-là avec le bagage que j'avais. Là. Mais c'était cette idée que mon corps, le souffle qui l'anime, ce qui le constitue en termes de matière, d'atomes et tout ça, est exactement la même chose que ce qu'il y a aux alentours. C'est juste que c'est configuré différemment. Et c'est toute cette dimension de relationalité aussi que je vais développer plus tard. Mais là, c'était... Ça a été, pour moi, là, cet apprentissage-là. Je me suis vraiment pliée à la discipline là, de la méditation. Il y en a qui, après 3 jours, là, allaient supplier Goenkaji, « Laissez-moi partir, j'en peux plus. » Ou « Je suis plus capable de ne pas parler. » Il y en a qui se cachait, tu sais, la nuit. Il se cachait, il allait dans les boisés, il sortait du dortoir, il allait dans les boisés, puis... ça m'aurait même pas effleuré l'esprit, ça me manquait pas, tu sais, ça me manquait pas du tout. On est arrivé là en novembre, donc fin novembre, Warwick va prendre l'avion pour l'Australie. Okay? Donc, lui n'était pas complètement remis non plus de son infection là, intestinale. On avait donc juste assez d'argent pour lui payer un billet là, pour l'Australie. Et là, lui, il avait fait le tour de l'Inde. Pour lui, il avait fait le tour. Et comme j'ai dit au début, tu sais, c'est 10 ans qu'il était parti de chez lui. Il avait l'appel du pays. Et donc... il prend l'avion, il retourne en Australie, et moi, je lui dis gentiment, « Regarde, moi, j'ai encore beaucoup à prendre de l'Inde, je suis désolée, là, moi, je reste ici le temps que je vais pouvoir, le temps que j'aurai assez d'argent, il n'était pas question que je parte. » Donc, je reste à Damagiri, et là, je vais faire, pendant 2 mois, je vais alterner. Je fais 10 jours de méditation et 10 jours, ce qu'on appelle 10 jours de service, parce que pendant que ceux qui méditent, ben il y en a qu'il faut qu'ils préparent la nourriture, qu'ils fassent le ménage, qu'ils lavent les toilettes, tout ça. Donc, et moi, j'alternais. Je ne pouvais pas donner. Je ne pouvais pas donner de sous. Quand j'ai dit tantôt, ils vivent uniquement des dons. À ce moment-là, je n'avais pas l'argent, mais donc, je donnais du bénévolat, du service. Donc, je faisais un 10 jours. Puis en même temps, quand tu fais du service, ben oui, tu travailles fort, évidemment, là, du lever du soleil à tomber du jour. Mais tu as toujours des petits moments où tu peux aller dans le hall pour méditer aussi. Là. Et donc, j'ai fait ça alterné là, pendant une couple de mois. Et j'ai quitté en janvier 1979 et je suis allée me promener euh,
Attends, j'ai-tu tout dit quand même sur le Vipassana? Ah oui, ah oui. Oui, ben c'est là, OK, je disais tantôt, là, tout cet art de l'attention et de la présence que je vais développer aussi, là, de manière pratico-pratique avec les aborigènes, mais aussi sur la notion de personne, qui finalement est un peu aussi mon fil conducteur là, dans ma réflexion anthropologique. Là. La notion de personne, d'autres manières d'être humain, d'autres modes d'être au monde, et toute cette dimension de la relationnalité aussi, là, que j'apprenais avec la technique de méditation. Et je vais, après ça, donc je suis à Damagiri, dans le coin de Bombay, et j'entends parler d'un autre ashram, aussi dans la région de Bombay, qui est dans le même réseau que l'ashram de Jaipur. Et eux, leur accent, c'est sur le jeûne. Donc, eux aussi, c'est un centre de cure naturelle. C'est-à-dire, reçoivent des gens qui souffrent, des Indiens qui souffrent de diabète, asthme. Et là, donc, je me présente à la porte de l'ashram et de la même façon que le yogi à Jaipur, il ne sait pas trop quoi faire de moi. T'sais. C'est que des Indiens, il n'y a pas d'étrangers. Et je ne me souviens plus comment il m'a... Finalement, j'y avais dit ben je pourrais tout simplement dormir dans le dortoir des femmes, puis regarde, je vais me mêler avec les femmes. Pis, mais bon, même ça, il n'était pas à l'aise qu'une occidentale soit dans le quartier avec les Indiens ou Indiennes. Là, mais... Et donc, il va me trouver, c'est un assez vaste complexe, eux. Et il y a une petite maison, un peu en retrait, et il m'installe là. Et dans la petite maison habitent des personnes très âgées, 80, okay, dont deux couples. Ils sont 5-6. Ils parlent tous anglais, tous éduqués. Ils me prennent sous l'oreille. Et c'était tous des amis de Gandhiji. Toutes des gens qui ont passé leur vie avec Gandhi. Et qui continuaient, tu sais, ce que Gandhi avait essayé de mettre en place avec filer le coton avec le rouet pour faire ses propres vêtements. Ils étaient au rouet toute la journée. Des jeunes. Bon. Là, ça, je regrette de ne pas avoir consigné les paroles de ces gens-là. Hey, eux, puis ils m'ont pris sous l'oreille. Ils étaient tellement gentils. Et ils m'ont tellement parlé, là, c'est ça, de l'Inde, de l'Inde d'avant, de l'Inde de Gandhi, de l'Inde moderne. C'était très spécial. Et donc, je suis restée là 2-3 semaines. J'ai fait un jeûne de 10 jours. Plus que ça, j'aurais pas... Là, je suis quasiment allée à quatre pattes, là, pour dire au yogi, s'il vous plaît. Ces gens-là, très âgés, mais ils avaient fait ça toute leur vie, ils faisaient des jeûnes de 40 jours. Puis c'était frais comme une rose. Bon, moi, après 10 jours, là, j'ai été à ramasser la petite cuillère. Et donc, oui, et donc après, je vais voyager, je vais aller sur au sud-est, là, dans la région de Madras, Mahabalipuram. Donc, ça aussi, tu sais, l'Inde, en tout cas, c'est quand même magnifique. avec les temples, l'architecture, les gens, j'aimais bien les gens, là. Et de Jaipur, non, pas de Jaipur, Madras. De Madras, je suis dans le sud de l'Inde, je prends le bateau pour le Sri Lanka. Entre-temps, et je ne sais pas encore qui, okay? Parce que c'est ça, là, tu sais, l'itinéraire, c'est selon les rencontres, là. Quand tu es globe-trotteur, c'est les rencontres qui décident de ton itinéraire. Et là, je ne me souviens plus qui j'ai rencontré, qui m'a dit que, au Sri Lanka, il y avait un monastère bouddhiste, donc exclusivement pour les... Sri Lankais, et que c'était très bien. Bon. Et je pense que j'ai écrit au monastère. Là, je me suis dit, OK, tu ne vas pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je pense que j'ai écrit. Mais bon, la personne responsable, le moine, ne pouvait pas me répondre, n'avait pas d'adresse de retour. Et donc, j'arrive dans ce monastère dont, malheureusement, j'ai oublié le nom.
Je crois que c'était dans la région de Kandy. Mais en tout cas, on est quelque part au cœur du Sri Lanka, dans la forêt tropicale du Sri Lanka. Et j'arrive donc chez au monastère. Le moine m'accepte, me met dans le quartier des femmes. Donc là aussi, il y a un quartier des hommes, quartier des femmes. C'est un monastère qui est dédié uniquement, qui reçoit uniquement les laïcs. Parce qu'à l'époque, mais tu vois encore là, le Sri Lanka, moi je suis là en 79, début des années 80, la guerre civile commence, puis elle dure quelques décennies. Là. Donc je ne sais même pas si ce monastère-là existe encore. Donc, mais j'arrive, donc il est dédié à l'époque, les laïcs, les bouddhistes au Sri Lanka, une fois dans leur vie, doivent faire une retraite, un mois minimum, dans un monastère. Et donc là, les femmes que je rencontre, ben, en fait, je ne les rencontre pas vraiment parce que là aussi, c'est le silence absolu. Tu n'as pas le droit de parler dans le monastère. Donc, je suis dans le quartier des femmes. Ils sont une quinzaine à peu près de femmes de Singhalaise, de différentes générations. Elles sont là en retraite. Et la technique de méditation est la même. OK? Donc vraiment, autour, je ne sais pas s'ils l'appelaient nécessairement là, vipassana, peu importe, mais c'est vraiment sur les sensations du corps, tu médites, donc s'il faut 20 heures par jour, à la fois dans ta cellule, et mais la cellule, tu sais, c'est un complexe, c'est que les cellules sont comme ça autour d'une fontaine, d'un jardin magnifique. Les cellules, c'est rien, là, tu sais, je veux dire, c'est... C'est un carré avec une natte sur le plancher, puis il n'y a pas de porte, c'est ouvert, tu sais. Donc, c'est ça, là, ta cellule. Donc, soit tu médites là, soit à la différence de l'autre endroit à Damagiri, où on méditait, ils insistaient pour qu'on médite dans le hall. Oui, tu peux aller te promener, tu peux aller prendre des marches. Oui, tu continues, tu restes dans le mood de la méditation, mais ils ne te donnaient pas d'enseignement sur comment méditer en marchant ou... en faisant autre chose qu'en étant assis. Et donc là, là-bas, au Sri Lanka, dans ce monastère bouddhiste, on passait beaucoup d'heures par jour donc, à méditer dans la cellule. Mais aussi, ils encourageaient d'aller dans le jardin. Tu es dans la forêt tropicale, c'est absolument magnifique. OK, donc tu as les cascades, tu as les oiseaux, tu as les... De méditer, et encore là, l'art de l'attention et de la présence, c'est que je pouvais prendre tout un avant-midi à faire 100 mètres. Dans le jardin, en concentrant mon esprit sur l'air qui vient frôler ma jambe quand je marche et quand je dépose mon pied sur le sol, chaque grain de sable, tu sais, que mon pied... Donc, tu sais, c'était vraiment ça, là. C'était vraiment ça, là, d'être lors de la présence, là, ultime, là. Tu sais, je veux dire, il faut... T'es là, OK. Et là... Et il y avait deux nonnes avec nous qui ne parlaient pas anglais. Donc, dans tout ce complexe-là, la seule personne qui parlait anglais, c'était un moine qui était du côté donc, des hommes, qui avait donc un mur d'arbres qui nous séparait, ou en tout cas une portion de forêt tropicale. Et donc, lui, deux, trois fois par semaine, venait me voir. Il venait du côté des femmes pour me voir, parce qu'il parle anglais, pour voir si tout allait bien, pour me donner un peu d'enseignement. Mais les deux nonnes, elles étaient, tu sais, tellement... rigolotes. Elles étaient, tu sais, là, et là, j'imaginais la comparaison avec les religieuses catholiques que j'avais connues. Bon, je dis pas que toutes les religieuses catholiques sont mornes, mais là, ces femmes-là, elles étaient, mais épanouies, rigolotes. Elles faisaient des culbutes avec leurs grandes, avec leurs robes. C'était, elles étaient vraiment... C'est... Et quand tu viens, quand tu arrives à un état de méditation très avancé, tu n'as plus besoin de sommeil. Parce que c'est comme si ton... Ben, ma façon de l'expliquer, là. Ton esprit, ton corps sont toujours au diapason. Donc, tu ne dors plus. 2-3 heures, gros max, là, tu sais. Et donc, à 3 heures du matin, on est réveillé. Et on se retrouvait, toutes les femmes, à peu près à 100 mètres du complexe. Quand tu descends un petit chemin, il y avait une cascade avec une poule. OK? Puis on allait, donc, se laver là. On ne se parle pas, là. On ne peut pas se parler. Mais on se lavait mutuellement le dos. on se rendait des petits services comme ça. Mais, donc, c'était la cascade. C'est là qu'on prenait notre douche.
Et là, donc, je me suis emballée un peu à un moment donné, puis là, je me suis dit, waouh, je vais devenir moine non-bouddhiste. Et donc, j'ai dit ça au moine, tu sais, qui me suivait. Là, il dit, ouais, bon. Puis là, il en parle à la nonne, puis là, les deux disent, non, regarde, non. Puis là, tu sais, je suis capable. Donc, OK, tu sais, mais c'était juste, ils savaient que ça ne marcherait pas. Ils savaient, ils ont essayé de m'avertir, mais... Et donc, ils m'emmènent dans un autre monastère. Là, c'est comme la nonnerie, tu sais, c'est vraiment là qu'ils forment les nonnes, là, OK? Et là, c'était une autre paire de manches. Là, c'était... là, en termes de discipline et de strict... Et en plus, tu sais, il fallait pouvoir lire les textes là, du bouddhiste Theravada dans le texte, il fallait pouvoir parler cingalais. Donc, tu sais, après 3-4 jours, OK, t'es désolé du dérangement, j'ai compris, c'est pas ma place. Et là, donc, entre-temps, je sais pas où, probablement à Madras, j'avais demandé le visa australien. Et donc, mon visa était comme, tu sais, je pouvais arriver... Il fallait que j'arrive avant le 20 juin en Australie. Et donc là, là j'ai plus souvenir. Donc, est-ce que je suis partie de Colombo, j'ai pris l'avion jusqu'à Sydney? Est-ce que j'ai traversé, je pense pas... Ah, j'ai peut-être traversé en Thaïlande. Ah, ça se peut... Excusez. Ça se peut que je sois allée à Bangkok. Ça se peut que j'ai pris l'avion de Bangkok là, jusqu'à Sydney. Oui, je suis allée à Bangkok. Donc, j'arrive en Australie. En juin 79, je fais rejoindre mon compagnon à Adélaïde, parce que c'était sa ville de naissance. Une magnifique ville, Adélaïde. Donc, on s'installe à Adélaïde. Et là, donc, il faut vivre. Donc, je recommence à faire un peu ce que j'avais fait à Londres. Je fais, ou en Europe, je fais des vendanges, je fais du ménage. On s'est installé aussi à l'extérieur un peu d'Adélaïde. On avait loué une maison de ferme, on avait fait un gros potager. Et donc, après quelques mois, parce qu'en Australie, ça pousse assez vite, après quelques mois, on faisait des paniers bio qu'on amenait en ville, qu'on amenait à Adélaïde. Et on a été impliqués aussi dans le Adelaide Festival of Arts, qui en était en mars 1980, qui en était à sa 20e édition. On avait ouvert un restaurant végétarien. Donc, il faut dire que Warwick, artiste, photographe, mais un cuisinier hors pair. En fait, c'est un magicien. Il pouvait faire un banquet avec pas grand-chose. Et très rapidement, ce petit, tout petit restaurant végétarien, durant la durée du festival, est devenu comme le lieu de rencontre de tous les artistes et tout ça. Donc, ça a été une belle expérience, mais moi et la cuisine et la restauration, c'est... Pas du tout. Donc, là, je me disais, OK, je suis ici en Australie, je dois aller vivre avec les Aborigènes ou travailler avec eux. Il faut que je trouve un moyen de rentrer en contact avec les Aborigènes. Donc, je vais à Canberra. À l'Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, qui à l'époque s'appelait uniquement Australian Institute of Aboriginal Studies. Ils sont à Canberra. Je vais les voir, et là, je ressors ma carte, j'ai un bac en anthropologie. Et je leur dis que, bon, j'aimerais travailler avec les Aborigènes et tout. Bon, là, et là, ils disent, écoute, la meilleure chose, c'est que tu montes à Alice Springs, en plein cœur de l'Australie. C'est le début des revendications territoriales. On vient d'ouvrir, quelques années auparavant, a ouvert le Central Land Council, qui prend en charge les revendications territoriales des Aborigènes. Et ils ont besoin, donc, d'anthropologues pour faire la preuve anthropologique d'occupation ancestrale. Donc, je monte à Alice Springs.